Bonjour tout le monde, c'est Chirel, toujours mes problèmes pour parler suite à l'opération de la mâchoire. Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes personnes selon les jeux ou les vidéos qu'on poste. Donc voilà, suite à une opération de la mâchoire, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc ça s'entend, j'espère que vous me comprendrez. Vous savez que je faisais du Sims 4 avant, j'ai arrêté complètement les lives ou les vidéos Sims 4. Parce qu'il y a eu énormément de problèmes avec la communauté Sims 4 il y a de ça à peu près un an, deux ans. Et on a été beaucoup à arrêter de faire des lives ou de faire des vidéos sur les Sims 4 à cause de cela. Et, mais ça ne m'empêche pas, comme je vous le disais, de jouer de mon côté sans pour autant vous le partager sur ma chaîne Twitch ou sur YouTube. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai annoncé ça, vous étiez assez nombreux à être déçus. Mais là, exceptionnellement, je vais vous présenter donc la personne que vous voyez à l'écran qui s'appelle Nymphalis. Elle a une chaîne Twitch. Vous avez le lien sur sa page YouTube que vous voyez à l'écran ici. Elle propose un nouveau challenge de construction avec une date bien définie pour arrêter. Donc, vous avez toutes ses idées sur sa chaîne YouTube. Donc, elle vous propose de rénover une maison, ce qui est assez sympa, surtout qu'on est nombreux à aimer les rénovations. Donc, pour les règles, comme vous pouvez le voir ici, je vous laisserai les lire, donc vous mettez sur pause. Pourquoi? Parce que mes problèmes d'élocution risquent de faire désordre. Voilà, vous voyez, les S et les CHE, c'est un problème. Donc, n'hésitez pas à faire ce challenge. Moi, de mon côté, évidemment, je vais le faire. Je vais essayer de le faire sur Twitch en live. Exceptionnellement, je vais me remettre en live pour ce challenge au niveau des Sims. Vous pouvez télécharger la coquille qu'elle a préparée pour tout cela. Donc, on a jusqu'au 18 juillet inclus pour le faire. Et elle regardera les rénovations le 19 juillet à 10h en live. Donc, à vous de voir si ce challenge vous plaît. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup chez cette personne, c'est qu'elle reste simple derrière son ordinateur. Elle ne joue pas un jeu. Elle n'est pas là pour attirer la population pour à titre de bien personnel, je dirais. Donc, voilà. J'aime ce genre de personne qui reste nature derrière leur ordinateur et qui est à l'écoute de sa communauté parce que franchement, au niveau de sa chaîne Twitch, elle prend énormément de temps à répondre aux gens et ça, c'est un vrai plaisir. Je lui ai dit d'ailleurs, Nymphalis, petite dédicace à toi, reste comme tu es, ne change pas. Sur ce, on va aller directement dans le jeu. Je vais vous montrer la coquille et puis moi, je vais le faire personnellement en live sur Twitch, bien sûr, en mentionnant que c'est le challenge de Nymphalis, il n'y a aucun problème, il n'est pas question de m'attribuer ce challenge ou quoi que ce soit, mais simplement de vous en faire part, et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à sa chaîne Twitch, comme ça vous connaîtrez la jeune femme en question. Donc on se retrouve en jeu. On est en jeu, donc il faut prendre un terrain 40 par 30, donc vous pourrez évidemment prendre la coquille de la maison ici présente dans la galerie. Elle a donné tous les identifiants sur sa chaîne YouTube, comment aller chercher la coquille. Et il va falloir faire une maison VIP. Alors, je lui ai posé la question personnelle de savoir ce qu'elle entendait par VIP, parce que selon les régions, évidemment, ça peut porter à confusion. Donc, c'est une maison qui doit être moderne pour des personnes qui ne comptent pas leur argent à la fin du mois. Ne confondez pas le million challenge avec le challenge de Nymphalis, puisque c'est elle-même qui l'a créé. Elle n'a copié en rien le million challenge, elle n'a copié aucun challenge. Simplement, elle fait des challenges comme ça, build. Elle vient d'en faire un autre qui se termine, qui était un challenge mini maison. Donc là, il faut vraiment que la maison soit moderne et avec un budget illimité. Et qui donne l'apparence que les gens qui vivent dans cette maison ne comptent pas leurs sous à la fin du mois, quoi. Donc allez-y, il va falloir vous lâcher. Une fois que c'est terminé, il va falloir que vous la partagez dans la galerie avec le hashtag qu'elle vous a dit afin qu'elle puisse retrouver les constructions. Et elle donnera le nom du gagnant de ce challenge le 10 juillet en live à 10h, il me semble. Donc moi, je vais y participer.
Elle fera un cadeau, ça aussi c'est très rare parce que beaucoup créent des challenges mais n'offrent rien en échange du temps passé ou du plaisir passé, etc. Et moi je me rappelle quand j'avais fait 2-3 challenges, j'avais aussi offert des cadeaux, des packs de Sims, des jeux Sims, etc. Quand je faisais des lives de tout ça. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça. Je pense que cette personne, vous devriez la suivre si vous aimez. Effectivement, les gens simples, nature, qui ne jouent pas de la comédie derrière leur PC. Vous savez que je présente très peu de challenges d'autres personnes, mis à part Tournesol Sims, qui est une personne adorable aussi, qui est québécoise. Donc là, j'ai découvert Nymphalis et franchement, je vous la conseille. Donc, je me suis mis sur Newcrest, j'ai pris un 40 par 30. Et je vais m'y lancer en live sur Twitch de façon à ce qu'elle soit faite pour le 10 juillet. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis n'hésitez pas, des bisous à Nymphalis, regarde ceci. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et pas du challenge Sims ou autre. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Donc on se retrouve pour la suite des Let's Play, etc. etc. Vous connaissez le blabla. En tout cas, de gros bisous à tous et je compte sur vous pour découvrir cette talentueuse streameuse, autant sur Twitch que sur YouTube. Bye bye!